Salut à tous, je vous ai concocté un concours Back to School, Back to Work qui va concerner aussi bien les enfants, adolescents que les adultes qui vont reprendre le travail. C'est pour ça que je vous ai mis déjà, il y aura de l'eau à gagner, de la papeterie, des fournitures, mais également de la beauté parce que je trouve que c'est important de prendre soin de soi quand on revient de vacances, mais pas que. Les conditions de participation sont inscrites dans la barre d'infos. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas marquer dans les commentaires « je participe ». Vous pouvez bien évidemment me mettre tous les messages que vous voulez, mais on évite le « je participe ». Je vais donc vous montrer tous les produits que j'ai sélectionnés et moi, je ferai donc de l'eau séparément. Je commence tout de suite avec deux pots à crayons, un indispensable. Je trouve que c'est sympa quand on commence une nouvelle année scolaire, de changer un petit peu son matériel. Celui-ci, je le trouvais ravissant, qui a un petit effet mini corbeille, rose gold, doré. Et celui-ci que j'ai moi-même sur mon bureau. Il s'agit d'un petit format Paris Mon Amour, qui est également très joli. Deux agendas quasiment identiques qui iront aussi bien donc pour des lycéens que pour des adultes. Hein. Moi personnellement, je ne suis plus au lycée depuis bien longtemps, mais j'utilise encore des petits agendas. Je vous ai glissé toute une série de crayons feutres que j'ai eu dans une box sapérite papier. Ça m'a l'air d'être des couleurs assez jolies dans les tons pastels. Je vous ai glissé une pochette avec à l'intérieur différents post-it de forme et taille différentes, très pratique à mettre sur son bureau. Deux cahiers effet bois avec à l'intérieur tout simplement des lignes. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que c'est très élégant. On a également le petit marque-page en tissu. Toujours dans le côté marque-page, ça se présente comme un calepin. À l'intérieur, nous avons donc un calendrier de l'année. C'est très pratique. Et tout un tas de mini post-it. Bien évidemment, je vous ai glissé des petites gommes MAPED vert, eau et rose très tendre. De Stabilo de couleur pastel, je trouve que c'est très pratique d'en avoir et les couleurs me plaisent beaucoup. Des marque-pages super mignons, pareil, ça c'était dans la box Saperli Papier en forme d'oiseau. On vient s'en servir un petit peu comme marque-page. Toujours dans la partie papeterie, c'est un carnet avec à l'intérieur des to-do lists et des notes. Des mini pocket notes, on glisse dans ces sacs à main, c'est de la marque Oxford, on a un violet et un fuchsia. Ensuite dans la partie, on va dire beauté, des mini shampoings secs, dry shampoo, avec les petits macarons en fond, c'est adorable, donc chacun un. Un gommage à base de charbon, très pratique pour entretenir son bronzage quand on revient de vacances. Un soin de la marque Davins pour tout type de cheveux. C'est un traitement de beauté qui est multi-bénéfice. À l'huile de roucou, ça va venir vraiment entretenir ses cheveux et défriser un petit peu ses petites mèches rebelles. Je vous ai glissé également, que j'ai eu dans la gambette box, deux paires de sockets hyper originales. On a celle-ci qui est pailletée verte. Et celle-ci avec des petits pois, ça peut être adorable. Il y a moyen de faire un truc sympa en tout cas. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation des deux lots de ce concours. J'espère que ce petit contenu vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si vous voulez bien évidemment y participer. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou. Je vous invite à liker, bien évidemment, ça fait partie des conditions. À vous abonner, ça aussi, à ma chaîne. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !